Comment travaillez-vous en confinement aujourd'hui? En quoi votre métier a changé? Et si oui, est-ce qu'il a changé aussi? Ou est-ce que vous faisiez déjà du confinement? Ou du moins du télétravail, pardon. Mon métier a changé depuis ce confinement obligatoire et nécessaire, bien qu'avant, je travaillais déjà en particulier par téléphone, plus à la limite que par Skype, sauf que là, compte tenu des raisons que nous connaissons tous, j'ai dû rapatrier complètement mon cabinet dans ce bureau. Comment, alors ça c'est quelque chose que j'ai lu hein, chez nos confrères de CNews, comment fonctionne la Skype thérapie? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la Skype thérapie, c'est finalement une façon de continuer à se voir alors qu'on n'a plus le droit de se toucher. C'est de continuer finalement à s'écouter sans avoir le droit de murmurer, mais c'est quand même de rester en contact les uns avec les autres dans un moment assez inédit, en tout cas pour notre génération et sans doute celle de nos parents, c'est-à-dire de rester confiné avec quand même quelques dérogations données par la loi, mais dont il ne faut quand même pas trop abuser. C'est-à-dire ne pas se contaminer, ne pas contaminer. Est-ce qu'elle est bien appréhendée par vos clients? Et vous, comment vous le percevez dans votre diagnostic ou dans votre écoute, dans votre travail professionnel? Je dirais qu'elle n'est pas forcément bien appréhendée. D'abord parce que je pense que d'une façon générale, c'est difficile de dire et d'entendre qu'on n'a pas le droit de bouger. Quand je dis qu'on n'a pas le droit, c'est pas le droit, c'est qu'on doit être concentré, qu'on doit être nécessairement en conscience par rapport au fait de pouvoir être asymptomatique, de ne pas présenter de symptômes et pour autant de pouvoir contaminer. Donc l'idée même de dire aux gens, voilà, ce ne sera plus comme ça, mais ça va être comme ça, on est déjà, si vous voulez, dans une certaine forme d'obligation. Du moins, le patient a un sentiment d'obligation et donc par définition, il ne peut pas apprécier. Alors c'est parce que c'est la coercition finalement, un peu cette coercition qui est pénible à vivre pour le patient, à ne pas bouger. Oui, en quelque sorte, il y a ça, il y a aussi le changement d'habitude, et il y a le côté aussi où, dans un premier temps, il y a ce qu'on va appeler la sidération, c'est-à-dire c'est fou ce qui nous arrive, donc pour le moment, je veux rester concentré sur moi-même, j'ai besoin de personne. Et au niveau des consultations de votre côté, vous avez connu, on imagine, un pic de consultations, de Skype consultations ou de Skype thérapie de votre côté, Rodolphe Oppenheimer? Disons qu'on trouve en ce moment pas mal de gens qui ont des claustrophobies ou des angoisses liées à l'après, ou alors des personnes qui ont besoin de conseils, si vous voulez, dans l'organisation d'un foyer. On imagine de fait que des gens qui sont chez eux, qui sont pour l'instant bien portants ou pas encore trop atteints par le coronavirus, on imagine que ces gens sont pleins d'angoisse. Et pour ceux qui ne sont pas contaminés ou asymptomatiques, on imagine qu'il y a aussi des gens qui s'angoissent beaucoup sur la maladie elle-même, non? Il y a beaucoup de gens qui s'angoissent sur la maladie, il y a beaucoup de gens qui s'angoissent sur le fait qu'ils aient pu l'attraper mais qu'ils ne l'aient pas encore développé, il y a beaucoup de gens qui s'angoissent pour leurs proches, il y a beaucoup de gens qui me disent mes enfants l'ont donc je vais l'avoir. Donc effectivement, il y a tout un panel d'angoisses différents, vécues différemment, pas dans les mêmes timings, mais il y a une situation très anxiogène. Alors, vous, en tant que spécialiste médical, professionnel, qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce confinement sur nous, patients potentiels? Alors, il est vrai, je dois aussi le dire, ce que je crains le plus, c'est le non-confinement avant tout, pour des raisons létales. Et après, pour vous répondre, dans le confinement, si vous voulez, ça serait le manque d'organisation. Alors, il n'est pas toujours simple de s'organiser, mais c'est essentiel. Sinon, on va avoir un pic de divorce qui va être épouvantable et de familles, peut-être pas brisées, mais de familles en tout cas qui vont payer les pots cassés. Vous pensez alors au risque d'épidémie traumatique, j'imagine. D'une part, parce que confiner quelqu'un, l'empêcher de sortir, et quand on est chez soi, finalement, il n'y a pas des millions de choses à faire. C'est vrai que beaucoup de gens passent du temps devant la télé et suivre les informations, c'est peut-être important, mais c'est aussi anxiogène, non pas une critique des journalistes, mais de l'actualité. Oui, parce qu'on se rend compte effectivement que si on prend les chaînes info et d'autres confrères et nous aussi, on en parle beaucoup, de fait, on est toujours baigné dans un climat extrêmement, on va dire pas malsain, mais vous l'avez dit, anxiogène. Comment on peut répondre à ça en tant que citoyen?
Sans doute par la résilience, sans doute par la résilience, parce que les chiffres sont là, les chiffres montent, et on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au pic, et donc les chiffres vont continuer à monter, et donc pour les férus d'informations ou de chiffres, ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué à s'organiser, nonobstant le fait que sur les réseaux sociaux, là où beaucoup de gens passent du temps, on a beaucoup d'effets de complotisme, de juger d'une façon ou d'une autre, peu importe d'ailleurs, le gouvernement, les acteurs publics, les médecins, pourquoi un tel a dit tel jour que c'était pas grave, une grippette, pour reprendre les termes, aujourd'hui on parle d'un fléau, demain de quoi parlerons-nous? Je crois qu'il y a cette incertitude, et finalement les parents de la patrie, que peuvent être les politiques, ou les sachants, les médecins, ne sachant plus et les parents n'étant plus des parents, je crois que nous les enfants, ou pour certains, nous pouvons nous y perdre. Et pour vous, est-ce qu'il y a-t-il des gestes barrières psychologiques pour atténuer l'angoisse ou la peur de la maladie ou la peur du confinement ? La peur de la maladie, c'est déjà quelque chose entre l'hypocondrie et la nosophobie qui est déjà quand même assez présent quand il n'y a pas d'épidémie. Alors c'est vrai que quand il y a une épidémie, c'est difficile de dire aux gens « n'aie pas peur, tout va bien, tu verras, ça va bien se passer ». Donc ça, c'est un discours un peu paternaliste. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand on nous parle de le coronavirus, ça reste tant d'heures sur un bout de plastique, tant d'heures sur un bout de scie, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Le cerveau, il enregistre. C'est le principe de Pavlov. C'est-à-dire, on associe des mots, des images à des idées, et tout à coup, après, ça mouline tout seul, et l'angoisse devient omniprésente. Et vous, est-ce que ça vous inquiète? On a parlé de 15 jours de confinement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va probablement le prolonger sous les conseils, notamment du conseil scientifique qui correspond à son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur, cette prolongation probable de la durée de confinement pour les Français? Alors, vous m'avez posé la question, moi, à titre personnel, ça me rassure, parce que si on avait confiné les gens que 15 jours et qu'on les laissait sortir après, d'abord, ça ne servait à rien de les confiner, et on aurait un effet rebond sans doute plus grave et plus important que l'on risque de l'avoir après. Non, je suis plutôt, moi, dans la réflexion de l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera stade 4, c'est-à-dire stade 5, c'est-à-dire quand on va redescendre, quelles vont être finalement les possibilités de ne pas être contaminé dit de l'extérieur, c'est-à-dire des pays qui vont, après nous, avoir des chiffres qui vont monter et qui, après, pourront se rendre ici. Alors, il ne s'agit pas d'être chauvin ni de se protéger et de laisser les autres mourir, mais il s'agit d'avoir une politique aussi cohérente afin de ne pas faire le yo-yo, c'est-à-dire de se contaminer, de recontaminer, de recontaminer. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de préservatif de coronavirus pour le moment. Et rapidement, aujourd'hui, quel est votre rôle, vous, dans ces téléconsultations, surtout en phase de coronavirus, de confinement? Comment vous articulez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes assez, pas dur, mais vous êtes. Comment vous percevez, vous, dans votre rôle? Quel est votre rôle, finalement? Alors, mon rôle est bien modeste. Hein. Il est de psychothérapeute, de psychanalyste. Il est d'accompagner les gens dans les angoisses. Dans le questionnement, mon rôle il est dur si vous voulez avec les gens qui sont transgressifs, c'est-à-dire qui me disent les interdictions on s'en fout, il y a assez de casse pour sortir toute la journée. Donc dans ces cas-là, effectivement, je ne suis pas tendre. En revanche, quand les gens sont dans des situations de détresse et qu'ils respectent, si vous voulez, ce dont les autorités nous invitent à faire, nous obligent, je dirais, là effectivement je vais avoir un discours beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réservé, tout en restant tout à fait honnête par rapport à la situation tragique que nous traversons. Et comment considérez-vous les citoyens qui actuellement d'ailleurs sont pour certains dans la rue, on voit les gens faire du footing, est-ce que vous pensez que c'est un déni de réalité finalement? Comment vous percevez ça? Est-ce que c'est de l'incivilité, ou un déni de réalité de la situation? Alors pour reprendre votre cas, c'est-à-dire celui du jogging, je pense que le formulaire n'est pas clair, c'est-à-dire que quand on parle de jogging, on ne parle pas de marche à pied déjà. Jogging, ça veut dire courir. Courir, ça veut quand même dire faire des kilomètres. Donc, j'ai vu des gens à Nice verbaliser sur la croisette, mais sur le formulaire, il n'y a pas écrit si on peut faire 20 mètres, 3 kilomètres. C'est pas clair. Donc, je pense qu'il faudrait limiter ça, je ne sais pas, à un certain nombre de rues ou sa rue ou quelque chose. Mais je pense que cette case-là,
n'est pas évidente à comprendre forcément, puisqu'encore une fois, quand on court, c'est pour se déplacer. Et une dernière question, Rodolphe Palmer, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les mesures soient beaucoup plus drastiques, qu'on pense au véritable confinement total? Voilà. Alors total, je ne pense pas, parce que notamment ne pas pouvoir se rendre dans un supermarché ou dans une pharmacie, là je pense qu'on aurait une explosion sociale, là je pense que tout le monde ressortirait dans un climat de panique. Je pense qu'on devrait se confiner à hauteur des courses et de se soigner. Mais je pense que le reste, on devrait effectivement être peut-être plus drastique, non pas pour être dur, non pas pour être paternaliste, non pas pour être donneur de leçons, mais vraiment pour éviter de se contaminer et de contaminer. D'accord, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe. Est-ce que c'est peut-être un dernier mot à dire sur la situation, quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, j'ai envie de dire qu'on dépassera tous ensemble cette épreuve. J'espère que certains, les pouvoirs publics, en tireront des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des économies sur lesquelles on peut pas jouer, l'éducation, la médecine. On a fermé des lits, tout le monde l'a fait hein, depuis 30 ans. Il ne s'agit pas de nommer des gens ni de rentrer dans des débats politiques. Mais je pense qu'il y a des choses qui relèvent un peu du sacré, qu'on soit croyant ou non. Et je pense qu'il faut tirer de cette tragédie une humanité qui consisterait justement à redonner du pouvoir aux soignants, quels qu'ils soient, parce que les applaudir à 20h, moi j'ai énormément d'amis, professeurs, médecins, infirmiers, bancards, peu importe. Et ils me disent, c'est bien de nous applaudir à 20h, mais on a plus besoin de moyens que d'applaudissements. Donc vous pensez, vous me tendez un peu la perche, vous pensez effectivement que les politiques publiques ont délaissé les hôpitaux publics, le personnel soignant. Aujourd'hui, sur les masques notamment, on voit qu'il y a beaucoup de personnels soignants qui vont, ils le disent, ils vont au front tout nu. C'est votre sentiment aussi sur ce thème-là? Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait quand même longtemps qu'ils sont alertés par tout le monde. Et on voit même l'état des hôpitaux, les hôpitaux tombent, ils sont en délabrement, on trouve de l'amiante dans les hôpitaux, certaines villes ont même dû faire classer des hôpitaux en monuments historiques pour pas qu'ils soient détruits. Donc je pense, et encore une fois, que l'éducation et la santé, si on veut que les gens soient éduqués et qu'ils vivent, il faut investir.